Notre équipe mando-finnoise est devenue à Liber il y a environ 2 ans. Avant et depuis 1981, c'était Visage, conçu par l'association de quelques guides de haute montagne. Notre petite équipe de gens passionnés, qu'on soit des séjours de randonnée, été comme hiver, du Piémont à la Provence, en passant par les Écrins et bien sûr le Queyras. Notre force, c'est la proximité avec nos partenaires, notre terrain de jeu, la montagne, les hébergements, les guides et les artisans. Notre activité est en lien direct avec la nature. Donc pour nous, sa protection est un enjeu fort, voire vital. Nous sommes engagés dans des projets de reforestation avec notre fondation. L'agence Alibert est à l'origine d'une certification, Agir pour un tourisme responsable. Et plusieurs tour opérateurs nous ont rejoints dans cette démarche. Nous travaillons avec des producteurs locaux, des hébergements, des artisans. Et il est important pour nous de partager nos expériences et de pouvoir réfléchir collectivement à l'impact de notre activité sur l'environnement, sur les retombées économiques sur le territoire. Et c'est pourquoi la démarche des éco-acteurs nous intéresse beaucoup, de pouvoir faire partie d'un réseau au niveau local et d'aller de l'avant. Nos actions en faveur du développement durable sont surtout de 2 types. La première concerne surtout la manière dont on va concevoir nos séjours. Nos voyages favorisent beaucoup les arrivées en train de nos clients. On a mis en place tout un système d'accueil en gare et de transfert juste avant qu'ils commencent leur randonnée. Et nous avons aussi organisé toute une plateforme pour encourager le covoiturage de nos clients. Nous sommes au cœur d'un réseau d'éco-acteurs sur notre territoire. Nous proposons des pique-niques pendant leur randonnée qui leur permettent d'avoir des produits 100% locaux. Et puis, nous organisons des activités proches de la nature, en plein air, comme par exemple des soirées astronomie qui permettent quand même de sensibiliser à la pollution nocturne. L'autre façon de s'impliquer dans le développement durable pour notre activité touristique, c'est tout simplement le fonctionnement dans notre structure. Donc de créer des manières d'aller à vélo pour les employés au travail, une douche dans nos locaux, rembourser les kilomètres pour se rendre jusqu'au lieu de travail. La gestion aussi, la maîtrise de l'énergie. Et puis le recyclage avec toute la production de papier. Et puis surtout la manière dont on va organiser nos achats. Pour nous, c'est important d'encourager une économie circulaire, d'acheter, de dépenser sur notre territoire pour les acteurs locaux. C'est vraiment important pour nous d'encourager, de pérenniser l'économie et la vie dans nos montagnes. Proud to share.